Avez-vous jamais pensé qui gagnerait dans un match de junior contre des seniors? Alors aujourd'hui, on va découvrir ça avec un petit press conference. Aujourd'hui, c'est la conférence de presse des seniors contre les juniors. Je suis avec qui? Fazil, ah, Matador, Jordan, Jomika. Alors, qui pensez-vous vont gagner le game des seniors contre juniors? Les juniors, à cause. On a les joueurs, on a le cœur et on a l'esprit. Ça. On a eu le bon coaching, ça. Et c'est pour ça. Jomika? Moi, c'est juste parce qu'ils vont pas prendre ça d'hard. Ça, nous, on va actually jouer. Je pense pas qu'ils vont actually jouer. Toi, tu dis quoi? C'est pas une question parce que les grands gagnent toujours. Vas-y. Alors moi, je crois que les seniors vont gagner parce que c'est pas des gaffes ici. On est vraiment venus pour performer et ils vont voir que eux, ils sont les jeunes. C'est nous les seniors. Ok, mais il y a des petites rumeurs qui commencent à passer autour de l'école. Okay. Il y a certains juniors qui sont meilleurs que les seniors. Vous disiez quoi? Moi, j'ai mon gars ici, Jomika, si vous le connaissez. C'est un athlète vraiment. C'est un athlète qui essaie beaucoup. Aussi, même on a Zumi. You know, ça, c'est un young gars qui fait tout. Il essaie dans son cœur et everything. Moi aussi, moi-même, je suis confiant en soi. So, yeah, ça, c'est les athlètes qu'on a. Toi, tu dis quoi? Moi, là, généralement, ils sont des athlètes, mais ils ne peuvent pas se comparer à nous par rapport au basket que nous, on joue. Jomika, oui, il est athlétiste, mais ça ne fait pas de lui, like, you know, le meilleur joueur comparé au senior. Comme moi j'avais dit avant, je pense pas qu'ils vont prendre ça au sérieux. Nous on prend tous les matchs au sérieux, même si c'est un amical. Mais on va juste voir ce qui va se passer sur le terrain.